Ce programme vous est offert par Illico Cash. Initialement prévu ce dimanche, l'inhumation de corps de victimes des bombardements du camp de déplacés au Nord Kivu est renvoyée au mercredi 15 mai. Annonce faite hier samedi par le gouverneur militaire Peter Sirimwami. Fraude électorale à Massimanimba, deux agents de la CENI, le chef d'antenne et les logisticiens sont condamnés à 6 mois de prison. 10 000 dollars d'amende à verser à la partie civile CENI et 500 000 francs congolais à l'État. En Afrique, la tension ne cesse de monter entre le Burundi et son voisin le Rwanda. Bujumbura accuse Kigali d'être à l'origine des 3 attaques à la grenade. Les bilans font état de 38 blessés, dont 5 graves. L'actualité, c'est à chaque heure sur Télé 50. Bonjour à tous et bienvenue. Retard constaté dans la publication très attendue du gouvernement souminois 42 jours après sa nomination au poste de Premier ministre. Le secrétaire général du parti Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, en abrégé Augustin Kabuya, a expliqué hier samedi les raisons de ce retard. Selon lui, les temps qui passent ne dépendent pas du président de la République, ni moins encore de la Première ministre. On écoute. La Cour constitutionnelle valide son élection. Et pendant cette période, il y a la période des requêtes, la période des contestataires. Il y a des gens qui disent que le président était mal élu, le président était bien élu, ainsi de suite. Pendant cette période, ce sont les jours qui passent. Quand nous quittons l'étape du président de la République, il y a l'étape des députés nationaux. L'étape des députés nationaux, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils doivent aussi attendre la confirmation des listes définitives. Il y a l'étape de l'informateur. L'informateur ne peut pas identifier la majorité là où la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé la liste définitive des députés. Tout ça, ça prend du temps. Et vous allez comprendre que ça ne dépend pas ni du président de la République, ni du Premier ministre. Pour qu'on nomme le Premier ministre, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Mais malheureusement, on veut faire croire à notre peuple que nous sommes dans un contexte normal. On va vous prendre des exemples du Sénégal, du Côte d'Ivoire, de certains pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre nation. Maintenant, quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne? Puisqu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas violer. Comprenez un peu, le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il est là pour protéger la Constitution. En politique toujours, et vous le savez bien, la famille politique du chef de l'État, l'Union sacrée de la Nation, a dévoilé hier samedi le ticket pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe est candidat président, Jean-Claude Chilumbayi, premier vice. Jean-David Kilolo nous en dit plus. Depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, les mêmes figures, les mêmes familles et les mêmes groupes se partagent les ressources du pays, tel un butin de guerre. Ce népotisme qui s'est ancré à longtemps empêchait les intelligences fraîches d'accéder à la gestion du pays pour changer les choses. En conséquence, rien ne marche, tout bascule dans le noir. Cette malheureuse réalité à laquelle le pays fait face depuis plus de 60 ans et encore celle que l'Assemblée nationale va expérimenter pour ce qui est de son bureau définitif. Les tractations au sein de l'Union sacrée sont allées bon train. Elles ont même pris beaucoup de temps. Mais tout ceci pour annoncer finalement aux Congolais que le pays devrait retomber dans son sempiternel cercle vicieux où les mêmes doivent gouverner et les autres être gouvernés en dépit de la médiocrité que cela entoure. Selon des noms rendus publics pour former les tickets Union sacrée pour les perchoirs de la chambre basse, le présidium s'est quasiment tout donné. D'abord Vital Kamerhe à la présidence du bureau, ensuite Jean-Claude Chilumbayi de l'UDPS à la première vice-présidence, puis vient encore Christophe Mbosso. À en croire certaines indiscrétions au sein de la famille politique, le président sortant de l'Assemblée nationale qui a été battu lors des primaires a proposé son propre nom pour être vice-président de la même chambre. Au poste de rapporteur, c'est Jacques Ndjoli du MLC qui a été désigné.
Mais à la question, Bahati Lukwebo aurait proposé les noms de son fils élu député national du Sud Kivu. Par ailleurs, à la question adjointe, c'est Madame Bemba qui est la candidate. Déjà, en plus du népotisme qu'il mentionne, ce tableau vient pécher contre le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoit que les 7 postes soient une représentation de 7 provinces différentes. Mais ici, Kamere et Serge Bahati, fils de Lukwebo, sont tous originaires du Sud Kivu. Au fait, sauf si le règlement a déjà été modifié dans ce sens. Sinon, il consacre la représentativité. Les 7 membres qui composent les bureaux définitifs devraient venir des 7 différentes provinces. Toutefois, si ça s'est passé comme prévu avec ce ticket, ça sera donc pour la 2e fois que le Sud Kivu occupe et la présidence et la questure, comme en 2007 Kamere et Lukwebo. À moins que l'Union sacrée décide de revoir ses cartes, il s'agit là de ce que la République démocratique du Congo devrait de nouveau vivre au cours de 5 prochaines années. Les torchons brûlent au sein de l'Union sacrée de la Nation. Dans une déclaration politique rendue publique hier samedi, un groupe de députés nationaux membres de cette famille politique dénonce ce qu'ils qualifient de manigances et les népotismes orchestrés par les présidiums de l'USN dans la désignation des candidats à l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ils exigent par ailleurs la représentation équitable des provinces, le respect du point politique. La proposition du bureau définitif de l'Assemblée nationale doit respecter les prescrits de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sur les principes de la représentation équitable des provinces de notre pays. Il est donc inacceptable qu'une province, une tribu ou un espace provincial occupe 2 postes au bureau, alors que d'autres sont absents. Conformément aux engagements du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mandat sera consacré à la lutte contre les antivalères. Les députés nationaux républicains ne peuvent accepter des candidatures teintées de népotisme. Tout en reconnaissant les principes de solidarité dans l'attribution des responsabilités, ceci demeure une exception car les règles et les poids politiques, résultat du vote populaire, critère démocratique par excellence. Par conséquent, les députés nationaux républicains demandent à l'autorité de référence de l'Union sacrée de rejeter la proposition faite par le présidium et d'exiger la représentation équitable des provinces, le respect des poids politiques et de refuser tout népotisme. Direction l'est du pays, comme annoncé au sommaire, nouveau report pour l'enterrement de victimes des bombardements du camp des déplacés des Mugunga ou Aguma, initialement prévu pour ce dimanche. L'enterrement aura lieu le mercredi prochain. Le gouverneur militaire Peter Sirimwami a annoncé ce report à la presse samedi tard. Il explique que cela est le résultat d'une décision prise en concertation avec les élus nationaux et provinciaux, ainsi qu'avec la délégation venue de Kinshasa après une visite des différents sites prévus pour cette opération. Les obsèques de nos compatriotes qui ont été lâchement abattus par les Rwandais du 3 mai. Mais il s'est fait malheureusement que pendant que je faisais les tours, je suis allé à Kibati. On est encore en train de construire les caveaux. Je suis passé vers les stades. On prépare encore là où on doit exposer les corps. Je me rends compte que nous ne sommes pas prêts. Et avec les élus, avec la délégation qui est venue de Kinshasa, on s'est rencontrés pour évaluer cette situation et l'analyser par rapport au reste du temps. Et on a trouvé qu'il est impossible qu'on puisse passer aux obsèques demain. Et nous allons communiquer la date qui suit, ensemble avec les élus de la province du Nord Kivu, qui ont même aussi estimé que les dimanches ne seraient pas opportuns pour les obsèques et donc on remet à la semaine qui suit.
En bref, procès contre les agents de la Commission électorale nationale indépendante à Massimanimba dans les Kulu. Deux agents de la CENI, dont le chef d'antenne et les logisticiens, sont condamnés à 6 mois de prison et 10 000 dollars d'amende à verser à la partie civile CENI et 500 000 francs congolais à l'État. Le tribunal a disqualifié les infractions de fraude et d'abus de confiance mises à charge des prévenus par le ministère public faute d'épreuves. Fraude aux frontières. La norme d'accréditation des organismes de contrôle et d'inspection ISO 17020 a fait objet d'une formation de haut niveau en faveur des agents et cadres de l'Office congolais des contrôles et de leurs partenaires BIVAC ainsi que ceux de CGW, un moment d'échange entre formateurs et agents qui a permis à ces derniers d'identifier les forces et faiblesses pour bien mener leur mission de contrôle. 4 jours durant, des cadres de l'Office congolais de contrôle, direction provinciale Est, ont vu leur capacité être renforcée par le bureau Veritas sur la norme ISO 17020 version 2012. Donc elle a pour objet de leur permettre d'avoir suffisamment d'outils, suffisamment de bagages, des procédures pour mener à bien leurs activités au quotidien. À cette occasion, le représentant des BIVAC a salué le niveau de partenariat entre l'Office congolais de contrôle et le bureau Veritas qui continuera à l'accompagner à travers des formations continues. Clôturant ses assises, le directeur adjoint chef des directions provinciales a non seulement remercié le bureau Veritas pour l'organisation de ses assises qui donne des lignes directrices, salué la solidité des participants. Il a en outre remercié le conseil d'administration de l'OCC, le directeur général de l'OCC, avant de rendre des hommages mérités au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'atelier a porté sur des échanges par rapport à la norme ISO CI 17020, version d'octobre 2012. Évaluation de la conformité à partir des exigences pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. Pour leur part, les bénéficiaires de la formation ont estimé que cette dernière tombe à point nommé. Cette session de formation a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants par le directeur provincial adjoint de l'OCC sous les frénétiques d'applaudissements des participants, le tout couplé par une photo de famille. La direction générale de l'institution de microfinance Essimico SARDC se félicite des avancées significatives enregistrées au cours de l'année 2023, marquées par des grandes réalisations exceptionnelles, lesquelles réalisations témoignent du dynamisme et de la solidarité financière de Essimico SARDC. L'institution est à une croissance annuelle de plus de 73% et sert actuellement plus de 70 000 clients à travers les 8 villes de la RDC où elle est implantée. C'est un bijou rénové répondant aux standards internationaux pour faciliter les opérations d'épargne et de crédit. À l'Institut des microfinances SMICO SA, le directeur général Matabaro Ndagano Pacifique était devant les journalistes pour présenter la situation de son institution et des opportunités qu'offre SMICO SA. Quand on n'était pas dans la digitalisation, on pouvait faire 12 jours pour analyser un dossier de crédit. Aujourd'hui, on sait faire l'analyse d'un dossier de crédit en 5 jours, en 4 jours, tout simplement parce que tout a été digitalisé. SMICO SA fournit des services de qualité avec de valeurs ajoutées et de proximité avec ses clients à travers les 8 villes de la RDC, cela en conformité avec la législation nationale. Cette rénovation s'inscrit dans notre engagement continu à fournir un service exceptionnel à répondre aux besoins financiers et non financiers de notre clientèle. Avec une croissance annuelle de plus de 70% sur un total d'actifs, l'institution de microfinance SMICO SA affiche un bilan dépassant 92 milliards de francs congolais rien que pour l'exercice 2023, avec un résultat net positif qui s'élève à 4,7 milliards, dont 2 milliards ont été versés à l'État en termes d'impôts.
Écho des partis politiques, Debout la Patrie, parti cher au député national Singoma, a totalisé une année d'existence. Au cours d'une cérémonie organisée à l'occasion, les membres de ces partis ont eu une pensée pieuse aux victimes des atrocités de la guerre dans l'Est imposée par les Rwandais et ses alliés du M23. Créé le 11 mai 2023, le parti politique Debout la Patrie vient de totaliser une année d'existence. C'est dans ce cadre qu'une cérémonie a été organisée par le membre de ce parti cher au député Mwanza Amisi Singoma, élu des Nirangongo. Pour son coordonnateur, lui Palang Hapalang, la célébration de l'an 1 de ce parti qui a vu le jour dans la partie est de la RDC où sévit depuis près de 30 ans une guerre imposée par le Rwanda et ses alliés du M23 est placée sous un signe de deuil. C'est un anniversaire qui est dédié à tous les compatriotes qui sont tombés sous les balles de troupes rwandaises en complicité avec les supplétifs ou, je peux dire, les traîtres congolais qui sont utilisés pour massacrer leurs frères. C'est quand même, on a quand même beaucoup fait au parti. Le parti s'est implanté durablement dans plus ou moins 8 provinces, comme je vous ai cité là-bas. Et le parti a eu, pour ce premier mandat, à peu près 5 députés, 4 députés et 2 députés qui ont été récupérés dans les territoires qui sont dans le conflit. Donc ce qui porte à 5. Le député national Singoma est déterminé à mettre la main à la pâte pour apporter des solutions à la problématique de l'insécurité qui frappe la partie est du pays. L'actualité en dehors de nos frontières prend la direction du Burundi où Bujumbura accuse Kigali d'être à l'origine des 3 attaques à la grenade à la capitale burundaise. Les bilans de ces dernières font état de 38 blessés, dont 5 graves. Les Burundis accusent régulièrement le Rwanda de soutenir les rebelles, une affaire que le Rwanda nie. Ces accusations burundaises contre les Rwandais sont récurrentes ces derniers mois dans un contexte de fortes tensions sous-régionales. Lors d'un point de presse hier samedi, au siège du Service national de renseignement à Bujumbura, les autorités de ces pays ont présenté 6 personnes suspectées dans cette série d'attaques depuis avril. D'après les enquêtes et les dires des suspects, les autorités burundaises rapportent que ces terroristes sont recrutés et formés, équipés même en armement au Rwanda par Kigali. Selon les Burundis, le 24 avril, une attaque à la grenade a visé deux transformateurs des courants à Ngagara, dont l'air a été partiellement endommagé. Le 5 mai, 6 personnes ont été blessées, dont l'une mortellement lorsqu'un terroriste a lancé une grenade sur des consommateurs dans un bar du quartier des Kamenge, au nord-est des Bujumbura, toujours selon lui. On rappelle les Burundis a fermé sa frontière avec les Rwandais en 2015 en raison d'accusations mutuelles et des soutiens à des groupes rebelles. La frontière a été rouverte en 2022, puis refermée en janvier dernier par les Burundis après une attaque rebelle qui a tué 20 personnes, dont des femmes et des enfants. En culture, l'artiste et musicien héritier Watanabe Dimoto Natembe est à l'honneur ce soir. La Pulga sera reçue par le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, dans le cadre de l'émission JMK en rencontre. Deux carrières d'honneur, HM de la gloire, l'une des belles voix de la rumba congolaise, racontera son parcours dans une émission exclusive à partir de 20h et ça sera en direct. À sa fin, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Initialement prévu ce dimanche, l'inhumation des corps de victimes des bombardements du camp des déplacés au Nord Kivu est renvoyée au mercredi 15 mai. Annonce faite hier samedi par le gouverneur militaire Peter Sirimwami. Fraude électorale à Massimanimba, 2 agents de la CENI, les chefs d'antenne et les logisticiens sont condamnés à 6 mois de prison, 10 000 $ d'amende à verser à la partie civile CENI et 500 000 francs congolais à l'État. En Afrique, la tension ne cesse de monter entre le Burundi et son voisin, le Rwanda. Bujumbura accuse Kigali d'être à l'origine des 3 attaques à la grenade. Les bilans font état de 38 blessés, dont 5 graves.
Fin complète de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Messieurs et dames, l'actualité reste en continu sur nos antennes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.